Ça continue à Saint-Martin-le-Beau. Après les véhicules et l'église incendiées il y a plus de 15 jours, nouvel acte de délinquance vendredi dernier au petit matin. Cette fois-ci, c'est la mairie qui était directement visée avec l'incendie de la porte d'entrée principale. Porte d'entrée, vous le voyez, qui a dû être consolidée. Ces faits se sont déroulés exactement 15 jours après les précédents. Pour l'heure, l'enquête continue. Les gendarmes recherchent toujours les responsables et on ne sait pas d'ailleurs s'il s'agit des mêmes responsables. On écoute Angélique Delahaye, maire de Saint-Martin-le-Beau. On s'en prend au symbole de la République, on s'en prend à des biens publics, que ce soit l'église ou que ce soit la mairie. Moi, je ne me sens pas visée parce que je ne vois pas pourquoi je le serais. Je n'ai pas, à mon sens, fait d'action particulière qui puisse justifier une telle violence et de tels actes que moi je qualifierais d'actes de lâcheté, parce que je trouve que c'est facile de s'en prendre à des symboles, enfin s'en prendre à des objets et puis surtout s'en prendre au bien de la collectivité.